Je suis là, Alexandre. Je t'ai manqué. Oui, effectivement. Ça te rend comme ça, les livres, toi, Payot? Oui, c'est on ton parle univers, de mon dada, de ma passion, les livres. Donc, parler de cet anniversaire de Payot qui souffle quand même ses 20 bougies, réelle institution chez nous, bah, moi, ça me fait plaisir. C'est pas rien, effectivement. Et des institutions chez nous, bah, on en a parlé dans notre émission Société de mercredi. La Poste s'est enfin exprimée sur notre antenne pour parler eh bien, de cette annonce de suppression de 170 bureaux de poste dans tout le pays, 19 dans le canton. Et dans le Distrignon, c'est la Poste de Saint-Sergue hein, qui est menacée. Souvenez-vous, on vous en avez parlé. C'est vraiment un sujet émotionnel, hein, ça, à La Poste. Hein. Oui, dites-nous, d'ailleurs, faites-nous part de vos avis sur les réseaux sociaux. Autre sujet, d'ailleurs, émotionnel, c'est les antennes 5G. Un collectif Stop 5G s'est mis en route du côté de Nyon. Ils sont prêts à aller très loin, même du côté judiciaire, Alexandre. Ouais, effectivement. Donc, pour empêcher la construction d'une nouvelle antenne 5G dans le quartier des Plantas à Nyon. Et vous, est-ce que vous êtes pour, contre? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a trop, pas assez des antennes 5G? Est-ce que vous êtes méfiant à l'encontre de ces antennes? Bah, dites-nous tout dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Lundi, c'était sport avec des résultats positifs et négatifs. Effectivement, on a fait le bilan sportif à mi-saison, hein, avant la trêve hivernale, pour le football avec le FC Gland et puis pour le rugby avec le Nyon Rugby Club. Eh bien, l'un est content, l'autre un petit peu moins. Il faut revoir l'émission pour apprendre tout ça. À revoir également ces FC Politique mardi aux commandes Florian Cavalleri qui donne notamment la parole à Saint-Sergue puisque la stratégie touristique est enfin dévoilée, Alexandre. Oui, enfin dévoilée, effectivement, une stratégie 4 saisons et notamment qui veut mettre l'accent sur l'hôtellerie. Puisqu'on parle politique, eh bien, jeudi, c'est le conseil communal de Gland à suivre en direct sur NRTV. Et Gland, on en a parlé avec toi, Andrea, avec le forum Nouvelle Économie et avec les commerçants de Gland. Oui, rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques de la région, savoir comment est-ce que le commerce se porte en ce moment, puisqu'il y a les travaux qui battent leur plein du côté du Vieux-Bourg. Plusieurs commerces ont fermé, pas en lien avec ces travaux, mais quand même, ça pose des questions. Et ces questions, on les a posées à la déléguée de l'économie, Johanna Baird. On vous donne rendez-vous lundi pour une émission spéciale, et Alexandre, oui, sur les autoroutes. Est-ce que vous êtes pour ou contre une votation nationale? Florian Cavalleri sera aux commandes de cette émission, à voir notamment lundi. Eh bien super, il ne reste plus qu'à nous souhaiter un bon week-end. Bon week-end.